la rigolade, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Wavar, je bégaye déjà en partant, moi c'est Sab, ça me fait plaisir de vous revoir pour un autre point lecture. Donc aujourd'hui je vous parle de 4 livres que j'ai lus dernièrement, un qui est vraiment une très grosse déception, et les 3 derniers qui sont vraiment des très 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 bonnes lectures que j'ai fait. Là ça m'énerve parce que j'ai vraiment trop de soleil de ce côté-là, mais j'ai fermé le rideau et on va faire avec, hein, c'est pas un studio professionnel, le soleil est très fort. Donc on passe. Comme je vous ai dit précédemment, je vous parle de 4 livres que j'ai lus. Donc le premier, c'est Katie de Michael McDowell. Vous le connaissez sûrement parce que c'est à la maison d'édition Toussaint d'ouverture, si je ne me trompe pas. C'était super belle couverture. Et il a sorti aussi la... Là, je me rappelle plus, je l'ai écrit en quelque part, mais la série d'un genre de famille. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Allez, voir dans mes notes. Obsédé comme je suis, je l'ai noté, je veux le dire, je veux le dire, je veux le dire. Ah, Katie, non. Blackwater, c'est ça que je voulais dire, il me semble pas compliqué. Donc, c'est aussi l'auteur de Blackwater et Les Aiguilles d'Or, si je me trompe pas. Deuxième roman dont je vais vous parler, je vais essayer de pas baver en le disant, mon Dieu, c'est Le Colonel Chabert d'Honoré de Balzac. Donc, on est dans les grands classiques de la littérature française, et oui, évidemment. Troisième, super belle surprise, Rivière au cerf blanc de Véronique Drouin, roman québécois, horreur, suspense, excellent. J'ai passé un super bon moment en lecture. Et quatrième et dernier, La Chute de Jacques Ravenne, donc Les Derniers Jours de Robespierre. Et je vous entends déjà dire ça, on s'en fout de Robespierre, on s'en fout de la Révolution française, tout le monde s'en fout. Non, moi j'aime ça et je vous en parle. Donc, on part ça pour un autre point lecture. C'est parti! Donc, j'ai essayé de faire quelque chose, le soleil, c'est pas tout cassé, là. J'ai essayé de mettre une boîte de carton pour... C'est moins pire, par contre. Ça m'énerve, ça me fait comme une face illuminée. Comme si Dieu m'appelait du côté droit. Mais ce n'est pas Dieu, Dieu ne m'appelle pas. Donc, premier roman dont je vais vous parler, c'est Katie de Michael McDowell. C'est une telle déception que ce roman-là. Faut bien croire, il y a une belle couverture, mais... C'est pas fort. J'ai vraiment pas trippé sur le roman. Les couvertures, par contre, je leur donne un 10 sur 10. Là. C'est de l'art pur et simple. C'est vraiment très magnifique. Donc, ce que je ne savais pas en allant me promener sur Wikipédia, l'encyclopédie en ligne gratuite, c'est que cet auteur-là, donc il est décédé, là, je me souviens plus, mais il y a quand même une couple d'années, il était l'auteur de l'histoire et du scénario de Beetlejuice. Oui, je savais pas ça. Mais vous le savez avec moi maintenant. Donc, comme je disais en introduction, vous le connaissez peut-être aussi parce que c'est l'auteur de Blackwater, je pense que c'est la série de 6 ou 7 tomes, que je n'ai pas lu. Mais là, étant déçu par ce roman-là, je ne sais pas si je vais le lire, bien franchement. Donc, Katie s'est publié en 1982. Qu'est-ce que c'est? Donc là, ça porte le titre Katie, mais c'est pas tant le personnage principal Katie. C'est plutôt Philomena Drax. C'est ça? Ou c'est l'autre? Non, Philomena Drax. Ça se passe au 19e siècle aux États-Unis. Donc, Philomena Drax est une pauvresse avec sa mère qui n'a pas un sou, qui vit dans un village, je pense que c'est New Egypt, aux États-Unis. Sa mère ne parle pas à son grand-père qui est le bonhomme, il est plein de cash depuis longtemps, parce qu'elle a marié un homme qui est le père de Philomena. Donc, les deux sont dans la pauvreté et ont de la misère à survivre. Un jour, le grand-père appelle sa fille pour lui dire « Venez m'aider chez moi, je suis victime de ma belle-fille. » Là, c'est compliqué, là. Parce qu'il y avait un gars qui a marié une fille. Puis on pense que la fille, elle a tué le gars du grand-père, puis elle s'est remariée avec un autre homme. Mais le grand-père, il est handicapé, il a plus de jambes, fait qu'elle vit là avec... C'est son ex-belle-fille qui est avec un nouveau monsieur, qui est un monsieur qui avait une petite fille qui s'appelle Katie, d'où la petite Katie, qui est une petite démone, qui a des dons de voyance et qui veut tuer tout le monde avec un marteau. Donc, vous me suivez toujours? Le grand-père appelle sa petite-fille, dit « Viens m'aider, faut que tu me débrasses de ces gens-là, ils veulent me tuer pour mon argent. » La petite, elle tripe pas tant sur son grand-père qui a demandé sa mère, mais il a comme une petite idée, il a du cash, le bonhomme. Fait qu'elle y va. Et là, la petite famille démoniaque tue le grand-père, mais réussit à faire passer ça sur le dos de Philomena. Philomena se sauve. Et la petite Katie, elle vient tuer sa mère. Elle voulait tuer Philo, mais là, en tout cas, dur à suivre. Mais là, Philo, elle peut pas prouver que c'est pas elle qui a tué son grand-père, donc elle est recherchée pour meurtre dans l'état, donc il faut qu'elle se sauve. Et son seul but tout le long de l'histoire, ce sera de se venger de cette famille-là. Et je dis le but tout le long de l'histoire parce que c'est ça qui m'a déçu. Je trouve que le fil conducteur n'est pas clair. Et là, là-dedans, là, ajouter plein de sous-histoires qui contribuent à pas faire un fil conducteur clair. Donc,
Mon avis, c'est justement ça. Je suis pas sûre d'avoir compris où l'auteur voulait s'en aller. C'est pas clair, Monsieur McDowell. Parce que là, t'as l'intrigue principale. Le titre s'appelle Katie, mais Katie est pas le personnage principal, c'est plutôt Philo. Là, Philo, elle veut se venger, mais elle saute, elle rencontre plein de monde, puis elle change d'idée, elle revient, elle repart. C'est pas sa quête principale. Ça faisait une intrigue brouillonne, où on sait pas où il veut s'en aller. J'ai jamais vu un personnage principal avec aussi peu de chance dans la vie que Philo. Et en même temps, des scènes qui sont tellement pas crédibles et tellement trop magiques qui servent à amener Philo dans sa quête, mais une quête qui est pas claire. Tu sais, j'ai pas trouvé ça bien structuré. Tu sais, le personnage de Philomena, là, Drax, là, elle est malchanceuse en s'il vous plaît. À un moment donné, là, ça va faire. Il y a des limites dans la vie à être malchanceux. En même temps, malchanceux, puis il y a tout le temps quelque chose qui tombe. Oh, oh, ça va l'aider dans sa quête qui n'est pas claire, justement. Donc, ça contribue au fait que j'ai trouvé ma lecture longue. En plus, le personnage de Katie était beaucoup plus intéressant, mais il aurait pu être développé tellement mieux. Une petite fille avec des dons de voyance, des envies de meurtre. On dirait que c'était toujours laissé de côté pour aller vers Philo, qui était moins intéressant. Donc, vraiment, une pure déception que ce roman. Une belle couverture, mais un rembourrage un peu ennuyant. Est-ce que je vais lire autre chose de l'auteur? Probablement. Blackwater, je sais pas, ça m'intéresse pas tant, mais il y a Les Aiguilles d'or. Peut-être que je vais y laisser une deuxième chance, parce que l'histoire en tant que telle était pas mauvaise. Il y avait quelque chose de super intéressant qu'on pouvait faire avec ça. Mais c'est pas venu me chercher. Voilà, fin de l'histoire. Le prochain roman dont je vais vous parler, là, mes amis, là, ça, c'était beau. C'était beau, c'était magnifique. Ça a fait pleurer ton sable. C'est toujours le colonel Chabert de Honoré de Balzac. Oui, la grande littérature française, des fois, ça fait du bien dans notre petit cerveau vide. Donc, pourquoi ce roman-là? Un très court roman, d'ailleurs, là, quelques pages, quasiment une novella, comme on dit dans d'autres langues. Je l'ai vu passer sur les internets, sur Instagram, plus précisément, et j'ai été comme séduite par la critique, les résumés que les gens en ont donné. Et je n'ai pas été déçue, c'était un wow magnifique. Bon, d'abord, je dois dire, oh mon Dieu, pauvre colonel Chabert. J'avais le goût de le prendre dans mes bras. J'avais le goût de pleurer avec lui, lui dire, mais ça va aller, colonel, on va s'en sortir. Je suis là pour vous. Mais c'est un personnage fictif, puis des fois, il faut que je revienne sur terre. Deuxième des choses. Là, dans les romans, là, j'ai un message d'intérêt public. Est-ce que je devrais mettre mes lunettes? Elles sont pas proches de moi. Non, OK. C'est la sable un peu féministe qui va parler, mais mes lunettes sont trop loin. Prenez en compte que j'ai mes lunettes. Je pourrais mettre des lunettes de cœur mauve, mais ça manquerait de crédibilité. Ça fait pas très sérieux. Donc, oh, je me tire les cheveux. Donc, je devrais dire aux auteurs du 19e siècle, là, les femmes, là, sont pas toutes là, comme des vipères, là pour voler l'argent des hommes. Là, il y a un autre côté de moi qui dit, oui, c'est beau au 19e siècle, quand nous résumions au mariage et tout, nous, on n'avait pas d'argent personnel et tout ça, mais ça devient gossant. On est toutes des vipères, des êtres qui ne font que manipuler et tromper les hommes pour leur argent. Oui, mais messieurs, si vous nous laissiez avoir notre argent à nous, serions-nous peut-être indépendants? Nous n'aurions pas besoin de vous fourrer dans tous les sens du terme pour avoir notre propre indépendance. Je reviens avec mes roulages de R, il faut se calmer. Voilà, je reviens à moi-même. Troisième chose par rapport à ce roman-là. Analphabète que je suis, je lis un paragraphe et je dois rechercher 5 mots dans le dictionnaire. Je dis, mais quel est cet adjectif qu'on n'utilise plus? Peut-être en France, mais pas au Québec, ou du moins plus depuis 200 ans. Mais c'est bon pour la petite jugeote qui n'est pas forte forte ici. Voilà. Donc d'abord, trêve de trucs sur le côté. Revenons au roman. C'est quoi? On n'est pas en 1807. Le colonel Chabert, pendant la bataille de Leylau, le E-Y-L-A-U, je ne sais pas si je prononce comme du monde, pendant les guerres napoléoniennes, il a été déclaré mort. Ça, c'est en 1807. Il est mort, puis on l'a enterré, là. On n'a pas fait comme on le trouve plus, il est sûrement mort. Non, non, il est enterré. Mais il n'est pas mort. Non, non. Il a survécu, il n'était pas mort, il était enterré sous plein de soldats, il s'en est sorti, il est défiguré, tout ça. Et lui, il revient à Paris, puis il dit, je suis le colonel Chabert, je veux mon épouse et ma fortune et ma gloire. Puis tout le monde fait, oh, t'es qui, toi? Premièrement, t'as été déclaré mort et enterré, comment tu peux prouver qu'il t'es? Son épouse, elle ne veut pas le reconnaître. D'un, je ne sais pas si elle le reconnaît vraiment, mais de deux, elle... Elle s'est remariée, puis elle a eu sa fortune. Oh, la vipère, la peaufine, la méchante demoiselle. Donc, elle ne veut pas le reconnaître. Donc, il va aller faire appel à un avocat. Il dit, je peux aller chercher des papiers, qui m'ont donné, mais j'ai pas l'argent pour ça. Donc, le roman, c'est ça. C'est un homme qui cherche à revenir et de retrouver son identité après avoir été faussement déclaré mort. Le roman, c'est vraiment wow. C'est vraiment touchant. Le colonel Chabert, il est touchant
par sa détresse. Parce qu'il revient dans un monde qui n'est plus le sien, il n'a plus son statut, il n'a plus rien, il est devenu un monsieur, madame, tout le monde. Puis c'est aussi grave que ça d'être monsieur, madame, tout le monde. Mais quand t'as... Puis il a été proche de Napoléon, mais pas tant proche, mais Napoléon connaissait son nom. Donc tu sais, la grande dégringolade. Et il est tellement exaspérant dans sa naïveté, dans son intégrité. C'est un roman qui vient nous chercher dans le personnage du Père Noël, voyons donc, voyons Noël, c'est loin, du colonel Chabert, qui vient nous chercher sur la notion de notre identité, qui est quelque chose de très fluide, et de nos certitudes. Tu sais, on en vient à se dire, ce que l'on est, on l'est parce que les gens acceptent que l'on l'est. Ma phrase n'est pas très belle, mais vous comprenez. Donc, le colonel Chabert, c'est le colonel Chabert parce que tout le monde reconnaît le colonel Chabert. Mais quand physiquement, tu n'es plus toi, quand tu as été déclaré autre chose, tout ce que tu es, tout ce que tu penses être, ne l'est plus. Et comment... Tu sais, sa femme, il y a quelque chose là-dedans dans sa naïveté. Elle sait que c'est lui. À un moment donné, elle le reconnaît, mais elle ne veut pas. Donc, sommes-nous tous soumis à ce que les autres pensent de nous, à ce que les autres décident de ce qu'on est? Tu sais, c'est dans le sens où on est parce que les autres acceptent que l'on est. Voilà, ça sera ma phrase philosophique du jour. Décortiquez-la comme vous voulez, vous pouvez en faire des t-shirts, des phrases sur Instagram d'inspiration. Je vous la donne sans droit d'auteur. On est qui l'on est parce que les autres acceptent qui l'on est. Là, je viens de la changer encore, mais c'est pas grave. Donc, un super beau roman qui nous fait réfléchir à tout ce qu'on construit peut être détruit en quelques instants. Donc, moi, je vous le conseille, de Colonel Chabert d'Honoré de Balzac, un très bon roman classique de la littérature française. Prochain roman dont je vais vous parler, c'est une surprise, c'est Rivière au cerf-blanc de Véronique Drouin. Véronique Drouin, j'avais lu il y a quelques années, là, pas 15 ans, peut-être 2-3 ans, La Guillotine, qui, elle écrit des romans d'horreur, c'est une autrice québécoise, c'est publié à Québec-Amérique, si je me trompe pas, j'espère que je me trompe pas. Non, peut-être pas. En tout cas, je vais vous l'écrire en bas. Et j'avais été... sans émotion. Là, c'était correct, La Guillotine, mais j'avais pas trippé. Et là, j'ai vu Rivière au cerf blanc. Je me suis dit, ah, je vais y donner une autre chance. Et c'était excellent, ma foi. Donc, vraiment une belle surprise pour un roman d'horreur et suspense. Qu'est-ce que c'est? On est au Québec. On a un jeune couple, Estelle et son copain. Là, j'ai marqué son copain, parce que je me rappelle plus de son nom, mais il est pas très important dans l'histoire, c'est pas grave. C'est des jeunes. Elle est étudiante en histoire de l'art. Ils décident d'aller faire une fin de semaine de kayak dans la forêt, hyper éloignée. Leur couple va pas super bien. Et c'est une forêt les gens n'y vont pas vraiment. Il y a juste des bûcherons qui vont bûcher du bois là-bas. On raconte qu'il y a des gens qui auraient disparu. Certains disent qu'ils ont pris en photo du land art. Donc, du land art, c'est des gens qui font de l'art dans la nature en utilisant uniquement les matériaux de la nature. C'est quelque chose de très beau, très moderne dans l'histoire de l'art. Elle, vu qu'elle aime l'art, elle dit « Ah, peut-être que je vais pouvoir en voir. » On ajoute à ça qu'il y aurait une légende que dans cette forêt-là, on trouverait certains auraient vu des troupeaux de cerfs blancs. Mais personne, c'est une légende, personne n'aurait dit, les aurait vus. Donc, ils partent dans cette forêt-là, donc ils sont vraiment laissés à eux-mêmes. Ils veulent descendre la rivière en kayak. Ils n'ont pas vraiment de contact avec personne. Leur couple va pas super bien aller parce qu'ils vont s'ostiner tout le long. Et ça va vraiment cliquer. Le suspense va partir quand Estelle va retrouver son copain tué, assassiné, et mis en scène dans un land art. Donc, c'est quand même assez gore, c'est quand même assez intense. Donc, elle capote la fille, je comprends, moi aussi. Ben beau s'être séparé, pas le goût de retrouver le gars mutilé dans un land art. Mon Dieu, le bel accent. Donc, la chienne lui pogne, et elle, entre-temps, elle avait vu des land art qui étaient de plus en plus weird, de plus en plus, je dirais pas d'horreur, mais quand même un peu plus violent, un peu plus significatif, jusqu'à temps qu'elle retrouve son copain. J'espère que vous me suivez, parce que je reviens en avant, en arrière, mais c'est pas grave, vous me suivez quand même. Donc, ça part. L'intrigue part de là. Je sais que ça a l'air super gore, super horrible, mais en même temps, j'ai adoré le roman parce que son propos est super intéressant. On est dans une réflexion sur l'art, une réflexion sur l'environnement. Il y a une grande réflexion sur l'art. Quel est le rôle de l'art? Et elle amène le point qu'aujourd'hui, on veut de plus en plus choquer. Est-ce que c'est nécessaire de choquer pour attirer les gens vers l'art? Et elle amène ça avec le land art, avec une réflexion sur l'environnement. Est-ce que la nature, tu sais, notre impact sur l'environnement qu'on détruit de plus en plus en tant qu'être humain, est-ce qu'elle va se débarrasser de nous? Est-ce qu'elle peut devenir de plus en plus agressive, de plus en plus en colère contre l'être humain? Donc vraiment là, derrière un roman d'horreur, de gore, suspense et tout ça, je trouvais qu'il y avait une super belle réflexion.
Rivière au cerf blanc de Véronique Drouin, moi je vous le conseille fortement. Et il y en a un autre, là, j'avais lu La Guillotine, il y a celui-ci, là, il y a Détox que j'aimerais lire. Donc vraiment une super belle surprise pour Véronique, pour ce roman de Véronique Drouin. Quatrième roman dont je vais vous parler, là c'est la catégorie Sab, ça intéresse personne sauf toi. Je sais, j'assume totalement, mais je vais vous en parler quand même. Bon, Simone veut venir faire son tour. Simone, heureusement. Tu sais, maman, t'aimes. Toi aussi, t'aimes ça lire sur l'histoire. Tu viens réconforter maman. Allez, maman, faut qu'elle travaille. Donc, c'est La Chute de Jean Cravaine, sous-titre Les derniers jours de Robespierre. Donc, ça fait longtemps que je voulais lire ce livre-là. Ça fait longtemps que je le vois passer. Ça fait quelques années qu'il est sorti. Eh bien, c'est fait. Et j'ai bien aimé. Et je vous entends déjà, comme j'ai dit en entrevue, mais ça, on s'en torche de Robespierre et de la Révolution française. Je réponds, aucun nenni! Aucun nenni! C'est passionnant, mes amis, et vous allez avec moi découvrir le côté passionnant de l'histoire. Suivez-moi. Donc, c'est quoi? Comme le dit le titre, Simone, maman travaille. Je sais que tu aimes faire ta vedette, mais maman travaille. Travaille, comme si j'étais payée pour faire ça. Donc, on revient. Qu'est-ce que c'est ça? Le titre le dit, c'est les derniers jours de Robespierre, plus précisément les trois derniers jours de Robespierre, avant que monsieur finisse guillotiné en place publique à Paris. Donc, Robespierre, c'est qui? Robespierre, c'est lui. Ça, c'est un monsieur, là, je sais pas pourquoi il mangeait beaucoup d'oranges. Oui, c'est précis, il devait avoir un problème de santé, il était fanatique des oranges, hein? Un petit inside comme ça. Donc, Robespierre, c'est un personnage complexe de la Révolution française qui... Là, je veux pas m'aventurer trop loin dans la description parce que je pense que je ferais des erreurs aussi. C'est un homme politique de la Révolution française qui est complexe, qui est mystérieux, qui est controversé, mais qui est tout simplement passionnant. Donc, c'est un homme politique qui avait beaucoup de pouvoir pendant la Révolution française. Là, je ne pourrais pas vous dire exactement son titre, j'ai peur d'embarquer dans quelque chose qui me trompait. De qui les discours étaient redoutés, parce qu'on l'appelait l'incorruptible, il dénonçait tous ceux qui étaient contre-révolutionnaires, tous ceux qui nuisaient à la Révolution, et les envoyait à la guillotine assez facilement. Trois jours avant sa mort, un simple discours, là, il va, bon, c'est plus compliqué qu'un simple discours, mais retenez ça, va faire chavirer l'opinion publique et en quelques jours, il va se retrouver lui-même guillotiné. Là, là-dedans, il y a toute une question de complot, il y a toute une question de gens qui se sentaient menacés par lui. Tout est une question de secondes des mots qu'on utilise. Donc, prenez ça comme général, mais dites-vous que je ne suis pas une experte de Robespierre. Et ce que j'ai aimé de ce livre-là, c'est que c'est un roman et un moment historique qui est encore très d'actualité. Ce que je retiens, c'est comment des mots ou un discours peuvent faire chavirer l'opinion publique en quelques instants. C'est sûr que c'est pas juste les mots, c'est pas juste le discours. Derrière, il y a tout un travail, il y a toute une accumulation. Mais comment notre statut est tellement fragile. C'est aussi super intéressant sur la notion de corruption. Robespierre, on l'appelait l'incorruptible, donc c'était lui qui se vantait de jamais être influencé, de jamais faire partie de corruption. Et c'est la question sur, là c'est une question assez étrange, mais est-ce qu'on peut faire un gouvernement de la politique sans corruption? Ça paraît étrange comme question, mais le roman amène quand même ça. Est-ce que c'est bon de vivre dans un monde sans corruption? Est-ce que trop de combats contre la corruption et la vertu amènent le chaos? Étonnamment, on a tout le temps l'impression qu'il faut aller vers le bien, vers le plus clair, vers le plus limpide, mais en même temps, l'humain est l'humain. J'aime pas dire l'homme est l'homme parce que les femmes sont tous inclus là-dedans. L'humain est l'humain. Est-ce qu'il faut un peu de corruption? Est-ce que trop de corruption détruit? Est-ce que pas de corruption détruit aussi? Est-ce que combattre trop la corruption et trop la non-corruption et la vertu fait du chaos aussi? C'est les réflexions que ça m'a amené. C'est encore un roman qui fait exploser le cerveau, là, qui m'amène beaucoup trop de questions. Et je vais devoir lire une biographie de Maximilien de Robespierre. Il y a celle que je spot de... c'est quoi son nom? Jean-Martin Clément, si je ne me trompe pas. Je vais sûrement vous écœurer avec éventuellement. Donc, je trouve que la Révolution française est encore très d'actualité, est encore très d'actualité dans la façon de penser, dans la politique et tout ça. Donc, c'est un roman qui m'a énormément plu. J'en ai appris beaucoup parce que j'en savais généralement sur Robespierre, mais pas nécessairement dans les petits détails. Donc, ça m'a amené à vouloir lire une biographie. Moi, je vous le conseille. Je sais que tout le monde va dire « On s'en merde, il n'y a pas de romance, il n'y a pas de fille, il n'y a pas de monstre. » Non, le monstre, c'est nous, c'est le peuple. Simone, maman, là, je sais que t'aimes ça, la Révolution française, ma belle-fille, là, mais maman, faut qu'elle finisse. Bonjour Simone. Donc moi je vous le conseille, c'est pas un gros roman. Si vous aimez l'histoire, c'est super bien amené et je ne regrette pas de l'avoir lu.
Donc voilà, c'était la fin de mon point lecture. Le Simone veut absolument dire bonjour à la foule. Dis la foule, comme s'il y avait des milliers de personnes. Dis bonjour, Simone. Ah oui, ta sœur Pauline, je pense qu'elle est à l'autre bord. Simone, c'est ma petite colleuse. Elle veut toujours des câlins, des câlins, des câlins. Elle en prendrait toute la vie. Donc, je vous remercie encore de me suivre pour mes nombreux points de lecture, mais pas tant, pour ma passion de la littérature. Je vous remercie de m'écrire, de commenter. J'adore parler littérature avec vous. J'adore en apprendre plus. Je vous remercie de me proposer des nouveaux trucs. Et on se revoit dans une... Simone, mon Dieu Seigneur, que t'es fatigante aujourd'hui. Et on se revoit dans une autre vidéo pour un point de lecture. L'automne arrive. L'automne est un beau moment pour lire près d'un foyer, même si j'ai pas de foyer. C'est pas grave, je ne vis pas dans un manoir. Mais je me promets beaucoup de bonnes lectures. J'ai goût d'aller être un peu cliché, lire des romans d'amour, d'horreur pour l'Halloween. Donc, merci et on se revoit dans une autre vidéo. Bye!